Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre mission. Et du coup, désolé, il y a eu apparemment un petit bug en toute fin d'épisode, le dernier épisode, sur la fin, n'entendez plus ma voix, donc vous n'avez pas entendu mon au revoir. Désolé, j'espère que ça va pas se reproduire. On dirait que le jeu, je sais pas, il commence à bugger un peu sur la fin là. J'espère que ça va pas trop dégénérer. Quoi qu'il en soit, je garde un œil là-dessus et on va se lancer. Alors j'ai vu qu'en fait on doit aller sécuriser l'usine, mais il nous a mis quand même la zone qu'il faut pas qu'on franchisse. On a un couloir là, où il faut qu'on avance. Et j'en faut pas aller par là quoi. Sinon, ça gueule. Donc on avait déjà lancé quelques mouvements de troupes. Je voulais juste vérifier, toi t'avais quoi comme portée? Ouais, il a une portée jusque là, donc il va pouvoir allumer ce qui éventuellement pourrait avoir envie de se pointer là. Ce serait pas mal de pouvoir mettre un petit peu d'anti-tank dans ce bâtiment, éventuellement, genre un Malboom, mais ils sont vraiment à l'autre bout de la map, donc je sais pas si ça vaut le coup de les faire marcher jusque là. Ici, niveau carburant, on était plein. Toi, t'avais réussi à te retaper, alors vu ta vitesse, on va venir te placer genre par là, voire même par ici. Et puis on en parlera plus après du reste de la partie. Là on a un striker également. Lui il va piller le carburant qui reste. Alors le striker qui est ici va faire le taf pour protéger ça. Donc nous on va progresser jusque là je pense avec ce striker là. Ici du coup, on avait à peu près fait le plein. Tac tac tac, ce qu'il faudrait toi c'est que tu t'avances pour aller filer un coup de main plutôt là, ravitailler par ici, vas-y, enfin mets-toi même par là, à peu près derrière. Il va falloir qu'on protège toutes ces zones de sortie là. Là on va tenter d'avancer un peu, on va mettre le Bradley genre comme ça face à la sortie. Ici bah lui on va le laisser là du coup pour protéger un peu cette zone, hein, tant pis. Ça m'embête mais bon. On est assez limité en troupes hein, et on peut pas en faire revenir, donc on va devoir faire avec ce qu'on a. C'est parti, on enlève la pause. Ici on a du taux. Alors ça tire. Là on a commencé à progresser. Il y a de la petite meute de loups. Ça devrait pas être un problème. On va les allumer. Voilà, merci. Ici on récupère ce truc. Ah, il y a quelque chose qui a pété par contre, sûrement une nuée ou un truc du genre. Ici. Attention, c'est du SWO. Prenez de l'angle. Ça c'est quoi qui est par terre? Un lance-roquette SWO également. Vous avez besoin de munitions vous? Allez, go. Ouf. Ça c'est un tank ça. Un tank ou affilié. Ok. En arrière, tant qu'on le voit pas, il faut faire venir les renforts. Notamment vous, là. Il nous faut de la vision. Venez jusque là. Vous aussi, venez jusqu'ici. L'infanterie, venez jusqu'ici. Ouh, ça pique. On le voit pas, hein. Pour l'instant, on voit que la LRM, là. Ouh, la vache, ça y est, on le voit, ok. Go. Home shooter ça, là au sol. Là au sol. Vous, au sol également, vous avez suffisamment souffert. Là on a progressé, il a été ramasser son petit truc lui. Pas encore, mais il va le prendre. Voilà, t'es rechargé, venez par là, ok. Ok, on a shooté son canon, c'est excellent. Le taux qui rate, dommage. On a détruit un canon ici. On allume les araignées là. Aïe, on souffre. On souffre, on souffre. Est-ce qu'on a du renfort disponible? Pas trop. Il y a lui, mais s'il se prend un tir, il est mort, donc non. Non, pour l'instant, on n'a rien d'autre de disponible dans le coin. Il y a là, il y a un petit truc avec mitrailleuse, mais c'est pas ça qui va nous aider.
Ok, on a de l'artillerie qui se déclenche, cela dit. C'est pas si mal. Ah putain, faut me le shooter là. Ok, merci. Bon. On répare. On répare. Vous, vous allez prendre ce bâtiment. Vous, vous allez prendre ce bâtiment. Vous, vous allez prendre ce bâtiment. Ici, on va progresser jusque là-bas. Toi, viens ici. Alors là, on a un char qui va pouvoir avancer par là. On va tenter un move agressif en allant jusqu'ici. Toi, on va récupérer ça du coup. Là, il nous faut de la vision. Vous, vous allez venir par là. Le petit Bradley par ici. Toi, tu vas récupérer ce truc. Le camion de ravitaillement. On l'a rangé où? Ici, parfait. Vas-y, déploie-toi. Ça, c'est de l'allié. Ça, c'est de l'allié. Ok, les mecs, ils prennent un peu le terrain quand même. Ça, c'est cool. Toi, tu vas aller te recharger. Bon, ici, on va contrôler ça. Là, pareil, on va contrôler ça. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Notre artillerie. Ici, on laisse du snipe et tout ça pour gérer ça. Ouais, c'est peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. On va déployer notre artillerie là. L'artillerie lance-roquette, ouais. Les ATGM. Y'a pas un petit truc dans lequel on peut rentrer, là? On peut pas rentrer là-dedans, non. Le canon anti-recul, on peut peut-être faire mieux. On va les laisser là, parce qu'ils sont capables d'allumer des trucs qui volent. Le canon anti-recul, par contre, on va l'avancer. Toi, tu vas poser ta tourelle là. Ok, ici on se recharge. On va vider assez vite nos réserves. On a vraiment pas grand chose en réserve. Ils ont pas ressorti du ravitaillement. On va aller vérifier de temps en temps qu'ils ont pas ressorti du ravitaillement, mais j'y crois assez peu malheureusement. Là c'est quoi? Là oui, là c'est l'artillerie qui se déplace, ok. Et ici on a un transport avec frag. Ah, là on a détecté quelque chose. Une nuée collée à nous. Ouf. Ça pique. Ça picote. Du coup toi. Faut progresser. Viens jusque là. Ok, établir une nouvelle ligne de front. Là. Là, il faut qu'on se pose un petit peu pour se soigner. Eux et eux, ils sont réparés, donc on va les utiliser pour dégager l'espace. Vous, ce serait bien que vous alliez là. Ah, là, il y a des enfoirés, là. Donc toi, tu vas avancer jusqu'ici, mais pas plus loin pour le moment. Lui, on va le laisser là. On va pas le laisser là, on va laisser le striker plutôt. On va avancer avec eux. Et on est quasiment arrivé au couloir qu'on doit gérer. Là, on a notre petit MV qui progresse. Ok, il y a des ennemis qui sortent derrière là. Excellent, ils se font rapidement défoncer. C'est nickel. D'ailleurs, on va reculer un petit peu parce que j'ai pas envie qu'ils sortent avec un saut et qu'ils allument ça instantanément. Toi, tu tires pas. Ouais, du coup, tu te prends des tirs, ouais. Forcément. Ça tape. Ils sont nombreux. On va devoir reculer un peu. S'appuyer sur le bâtiment. Sur nos différents... différentes unités. Toi tu recules. Là t'es en train de reculer là. D'accord. T'es mal tourné en fait. Bon, on a réussi à en gérer un. Il en reste un autre, non? Là y'a quoi? Une plateforme de transport armé. Ok. Ils sont en train de se préparer à défendre cette zone. Il va nous falloir du renfort. Toi, t'as lâché ton truc. T'es en train. Vas-y, lâche-le. Lui. Là on est rechargé à fond. On va partir du principe qu'ils vont protéger un peu cette zone.
Toi, tu vas ranger ça. Il te reste combien? Il te reste 3200 quand même, c'est pas mal. Et on va t'envoyer là. Alors non, on va t'envoyer là et on va récupérer le Bradley. Ah, le Bradley, il est à sec. Fais chier. Toi, viens là. Donc on va t'envoyer là. Et ici, ouais. Ici, on a des mines à mettre éventuellement. On va aller mettre. Non, c'est pas ça. Des petites mines antipersonnelles là. Là, vas-y. Allume ça avec un coup de tôle là. Merci. Celui-là maintenant. Est-ce qu'on peut pas ouvrir un nouveau flanc? Si, là, on peut ouvrir un nouveau flanc carrément. Vous venez là. Là, l'infanterie s'est mise en place. Toi, tu viens là. Toi, tu vas prendre cette position. Voilà, parfait. Ça fait le taf. Ok, on a pu avancer. On répare. On répare. Ici, on a du monde. On avance. On avance. Là, eux, on les laisse là. Pourquoi? Pour zéro raison. Venez plutôt ici. Toi, non, toi. Tu vas te poser même plutôt par là, je pense. Soutenu par le Bradley. Ici, on n'a pas bougé. Viens ici et déploie tes munitions. Là, ils sont en train de semi-recharger leur SWO. Ok. On va juste surveiller eux pendant qu'ils posent les mines pour les faire se barrer avant que ça dégénère. Ok, vous allez venir ici. Là, eux, j'ai bien envie de les laisser là pour qu'on garde une vision. Là, on n'a pas d'IEM avec cela. Attends, on a plus de munitions non plus d'ailleurs. On va aller se recharger là-dedans. Ici, on va pouvoir allumer un peu ce qui passe, mais on va être un peu léger. Il va falloir qu'on arrive avec notre tourelle. On va la mettre là. Et on va se tirer avec le camion en arrière ici. Dès qu'on peut. Alors là, on a quoi? Un véhicule avec des taux. Alors le véhicule avec des taux, il va être excellemment bien placé. Plutôt ici, en fait. Pour avoir toute une vision sur les trucs qu'il pourrait nous envoyer là. Et dès que c'est à peu près sécurisé. Ouf, putain, le truc qui arrive derrière nous là. Ça, c'est pas cool. Enfin, ça, c'est un véhicule à plasma à la con. Ok, donc là on a un problème. Est-ce que nos ingés sont encore dans le coin? Oui. On va remettre encore quelques mines antipersonnelles là, du coup. Comme ça. Et il faudrait qu'on mette une troupe ici. Qu'est-ce qu'on aurait de disponible? Pas bien grand-chose, j'ai peur. Là, on a du monde. Il y a eux qui couvrent ça. Eux, on pourrait les mettre. Eux, à la limite. On les met là, on couvre la zone. Toi, tu t'arraches. Là, ils sont rechargés. Ils sont rechargés. On les remet là parce qu'on aura une vision. Eux, ils vont nous servir d'éclaireur pour nos troupes. On a vu de l'ennemi ici. Ils se sont fait défoncer. Excellent. Chobby Snippy qui couvre les arrières là. De manière très efficace. Alors là, je sais vraiment pas si c'est toujours utile d'avoir les SWO ici. Je pense qu'on va leur demander de venir par là, au moins une des escouades. On va en garder une au cas où, celle-là, mais ça fait chier d'immobiliser nos deux escouades de SWO parce que peut-être il y aura des trucs qui vont sortir. Bon, je pense qu'on est prêt à avancer là. Faut qu'on avance du coup par là. Ok. Faut qu'on avance par là. Donc. Vous. Allez-y.
On va les faire venir jusqu'ici, après ils vont ramper au sol et ils vont nous servir à visualiser un peu ce qui se passe. Le véhicule à plasma, on va le mettre par ici. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas avancer. Pareil pour vous. Vous avancez. Alors là, on en est où? On n'a pas encore fini. Continue de le vider à fond. Après, techniquement, si on le vide à fond, il peut plus bouger. Hein. Donc, ok, vous allez ramper et vous allez avancer. Vous allez nous servir de soutien, n'est-ce pas? Avec un peu de bol, il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas l'air d'avoir de sortie à part ça, mais c'est des sorties de secours, donc... Mais dans le doute... On y va avec du lourd. On va les faire courir. Tant qu'il n'y a pas d'ennemis, on va se concentrer là-dessus. De toute façon, le reste est sous contrôle, donc on peut se concentrer sur cette zone. Enfin, sous contrôle, si jamais on a des gros tanks qui sortent dans notre dos, on se posera la question, mais... Essayez de prendre ce bâtiment. On va avancer un petit peu. Non, alors attends, toi tu vas là, et toi tu vas là. Je vais sauvegarder pour que si jamais on ait une roue qui dépasse, on se fasse pas emmerder en mode « Ah, lol, t'es sorti de la zone, la mission est perdue. » Ça serait un peu chier. Ok, ce bâtiment a l'air vide. On peut progresser. Toi, viens jusque là. Baqué par des taux. Ah, coucou toi. Blair? What the hell? You gotta get me out of here. My god, the things they do to people here. I barely escaped in time. Relax, Blair. We'll get you to safety. Good to see you again, sir. You remember me? Sergeant Stone. We served together in Colorado. Colorado? Yes, of course. You're a good man, Stone. Thanks for rescuing me. We ain't got no base in Colorado. One of those things. Kill it. Good work, Mason. That's one I owe you. Wow. Good to waste that asshole, sir. Even if it was just a wire head wearing his skin. Alors, duel RM, duel RM, du anti-aérien. It had been as far back as the base. Guess we'll never know. But sure explain why he was always such an asshole. Si je me mets juste ici, j'ai peut-être un angle pour mes taux là. Alors attends, il y a des trucs qui sortent ici. Il faut le shooter là. Allez. Ah putain, on s'est pris un saut. Ok, c'est bon, c'est géré. Il a marché sur une mine. On s'est pris une petite patate, mais c'est bon, c'est géré. Parfait. Alors, du coup... Faut qu'on avance avec nos petits trucs tanky, parce que clairement là, alors si on avance en étant vraiment dans l'angle des, dans l'ombre des bâtiments, je pense qu'on peut avoir une vision. Là il y a des trucs qui sont sortis aussi, mais ils sont morts, parfait. On va essayer d'avancer dans l'ombre des bâtiments pour avoir une vision, et donner une vision au... Oula, ça a lagué, est-ce que tout va bien? Tout a l'air d'aller, j'ai du son, j'ai du micro. Parfait. Je vais sauvegarder au cas où il y a eu un lag et que je dois rejouer. Voilà. Toi, t'es peut-être un peu agressif là. Viens te mettre derrière là. We got trouble, ça, on voit rien. Ok, là l'objectif ça va être d'avoir une vision pour sniper le plus du plus loin possible les saloperies. Il y a du monde dedans. Ah bah c'est Blair, ok. Et du coup ils vont commencer à bouger.
snipe nous ça. Et il va nous dire non, interdiction de bouger. Ah merde, putain. Ouais, arrête-toi et resserre ton angle par là. Alors, l'artillerie, elle serait par là. Ouais, non, bon. Alors, par contre, là, c'est de la merde ce que vous faites. Donc, déployez-vous. Vas-y, shoot-moi ça, toi. Ok, la tour, elle est gérée. Excellent. Là, il n'y a personne dans ce bâtiment, donc capturez-moi ce bâtiment, là. Il y a deux péons dedans, c'est limite, c'est nos tyrannies qui font le plus mal. Faut arrêter les conneries. Là-bas, il y a une tourelle. On va aller envoyer toi et Tresse de l'Ato. Viens ici. Merci. Alors, on va désactiver les taux, je pense, d'ailleurs, parce que ça devient précieux dans la zone. On voit plus la tourelle. C'est tout là-bas l'artillerie. Et bah du coup, si on nous autorise pas à y aller... tac tac tac, attaquer avec toutes les armes. Vas-y, allume ça. Ah putain, il a un anti-tank l'enfoiré. Le fumier quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on a... On s'est fait défoncer comme ça. Putain, il a tiré dans le bâtiment, ce débile. Je suis blasé. Oh la méga loose, quoi. Vas-y, toi, allume la tourelle, plutôt. Voilà, merci. Et maintenant, faut que vous me le shootiez au pont, ces connards-là. On voit les missiles qui arrivent. Bon, on en a quand même un certain nombre. Ok, le canon s'est fait détruire, on va reculer un peu en sécurité. Toi, tu vas aller me sniper ça. Ah putain, on se fait attaquer par derrière là. Ah merde. Il nous faudrait quelque chose pour tenir la zone là. Est-ce qu'on a une petite infanterie ou un truc du style qu'on pourrait récupérer? Un truc tôt, non, pas vraiment. Des snipes éventuellement, ils pourraient courir jusqu'ici et couvrir cette zone. Ça c'est fait, ok, très bien. Apparemment, on a réussi à détruire un peu d'artillerie, mais pas tout. C'est embêtant. Donc là, on n'a plus rien. On va avancer les deux Bradley. A priori, on a nettoyé ce qu'il y avait à gérer là. Pour sécuriser la zone. On va laisser toi ici pour nettoyer cette partie-là. Les snipers, il faut pas qu'ils marchent dans la zone interdite. C'est tout ce qui compte. On a des ennemis. Des homoncules. Ah, merde. Allez, shootez-les. Avant qu'il tire, il a tiré. Ah, bordel. Oh putain, ils sont nombreux, les cons. Ok, les autres, c'est pas des... Putain, il fait demi-tour, ce débile. Aïe, aïe, aïe. Ok, on a réussi à sniper le SWO, je crois. Excellent, on les défonce. Nickel. Vas-y, répare, Bob le Grand, là. Bon, toi... Est-ce que ça vaut le coup d'aller te recharger? Ok, là, comme prévu, il s'est barré, lui. Pas grave, on va se ramener par là. Où est notre véhicule de ravitaillement? Là. Parce que c'est la seule chance qu'on a de pouvoir retirer. Hein. Donc toi, reviens ici, protéger la zone. Ha 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 ha!
Oh l'enfoiré quoi. Bon, ouais, faut que je t'explique tout, bah t'as qu'à aller t'occuper de l'artillerie. Mec, j'ai demandé si je pouvais le faire et c'est toi qui m'as dit reste là. J'hallucine quoi. Alors, est-ce qu'on doit... alors, on va attendre la fin de la mission, la fin de ce qu'il nous raconte. Ok, donc lui, il s'occupe de cet endroit. Très bien. Nous, il faut qu'on... protège les ingénieurs qui sont là-dedans. Ok, tout en bas pour le moment. Protéger le camion d'explosifs et protéger les véhicules serveurs de données. Donc ça c'est fait. Par contre ici ils vont avancer en ligne droite. Donc il faut qu'on nettoie et qu'on s'assure que toute cette zone est clean. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Allez, on a plus grand chose sur la zone. Là on a des mecs avec des sauts. On a eux. Mais ça à la limite ça va être géré par les piou-piou. Donc on va s'étendre par là-bas, récupérer. On a deux Abrams ici, c'est un de trop. Il faut qu'on éclaire cette zone, donc on y va. En avant. Là il y a un petit peu de bâtiment, donc j'aimerais bien récupérer eux en vrai. J'attendais juste qu'ils aient fini de se soigner. Alors attendez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. What the hell is that? Le prototype 2. Coucou. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, il est où mon truc d'artillerie là? On va t'utiliser pour nettoyer ça je pense finalement. Toi reviens là. On va mettre les mecs dedans pour les protéger pendant qu'ils se déplacent. Quelque chose me dit qu'ils vont manger chaud là. En plus ils tirent sur de la merde. Oh sa mère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah toi du coup finalement tu vas aller refaire ton plein de taux. Ça c'est quoi? C'est de l'artillerie. Ok, lâche ton artillerie ici. Non, ici. Pas trop proche, on va pas utiliser les munitions pour ça. Là on est plein en taux, là on est plein en saut, en ATGM. Il va falloir qu'on soit prêt à les recevoir. On va peut-être récupérer le ray gun aussi. Viens donc par là. Ouais non, viens un peu à l'abri des bâtiments. Ici, là on a quoi? Du hit. Ouais, bon, ça va pas faire le taf, mais tant pis. On va garder notre machin, si on arrive à l'immobiliser, on lui avoine tout ce qu'on peut sur sa mouille. Ah putain, saloperie d'artillerie. Bon, faut avancer là. On va voir s'il y a beaucoup de trucs sur le chemin, mais... faut que vous avanciez les gars. Ils sont tout au bout de la map là, mais... putain, en plus il a de l'anti-tank quoi. Après, j'avoue, il est classe. Hein. Franchement, il est bien classe. Il y a même un petit minigun à l'arrière pour couvrir les arrières, quoi. Lui, en train d'essayer de faire le tour, ça va pas servir à grand-chose. Il y a un petit truc qui a pété, là. Ok, les ATGM lui font que dalle. Restez en position, je veux cette technologie. Ouais. Alors là, par contre, ça va être problématique. Qu'est-ce qui me tire dessus, là? Ok, c'est l'artillerie qui me tire dessus désormais, pas de soucis, là. Ils sont en place, donc fonce par là, lâche-les ici. On va avancer, il faut qu'on avance avec nos véhicules là, faut qu'on s'occupe de ces enfoirés. Ok, il y a du peuple là. On se détend en arrière. Toi t'es mal placé du coup, reviens par là du coup.
Toi, tu te déploies par là. Toi, tu te déploies par ici, en arrière. Sir, requesting permission to provide support for the main force. Permission granted, Church. But you screw this up, and I'll be wanting your head when this is all over. Understood? Sympa. Détruisez la machine de guerre. Très bien. Alors eux, ils avancent pas. J'imagine qu'il faut qu'on détruise l'artillerie ou un truc du style avant. Quoi qu'il en soit, on lui a fait un peu mal, mais c'est pas ouf. J'ai envie d'attendre qu'il s'approche quand même, parce que... Je suis pas serein. Très vraiment pas serein, là. On avait un véhicule... Alors déjà, vous... vous allez vous re-remplir quelque part, voilà, là-dedans. Toi, tu vas te replier par ici. Non, en plus, ils ont encore plein de trucs à lui envoyer dessus, donc ils vont mettre des plombes avant de venir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait affronter ça? Ça, mais ça va se faire instantanément aligner. Il y a eux, mais on est vraiment à poil. Si on veut s'occuper, si on veut les... Non, on va l'attendre, hein, faut pas déconner, quoi. Est-ce que toi, t'es rempli? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une tourelle de... Une tourelle. Ben écoute, viens poser ta tourelle là, ça servira peut-être. On va allumer. On va bien voir si ça passe. On est dans un angle où on va pas tirer dans les murs. Non, on va se déployer là. On va se déployer là, ça sera beaucoup moins con. Là, il doit être vide. Non, ouais, il est vide. Donc on replie. Il a déposé son artillerie là, finalement. Bah écoute, pourquoi pas. Ça serait peut-être rentable de la mettre un peu plus proche pour tirer sur le machin. Mais pour ça, il faudrait qu'on le mette vraiment proche. Hein. Ouais, bah on va essayer de le mettre. Alors le problème c'est ce truc là, mais on va essayer de le mettre genre par là, là. Voir si on peut avoir du tir. Mon véhicule tow qui était planqué quelque part ici, toi. Replie-toi sur le centre du champ de bataille. Toi t'es en train de bouger, c'est bon. Ici. Et l'artillerie qui continue de nous allumer. Qui c'est qui a tiré? Toi t'as tiré un taux qui fait de la merde. Waouh. Wow. Ah ouais, alors excusez-moi quoi. C'est un peu derrière lui là. Bon déjà on va annihiler cette zone. Ça me paraît un bon départ. Toi, tourne-toi dans le bon sens. Pétez-moi ce con là. Toi, recule. De toute façon, allez, on avance, on élimine les enfoirés. Attends, toi tu répares, lui il va déposer son, voilà, lui il sort, on l'allume. Waouh, putain, on n'a pas perdu la brame. Non, on n'a pas perdu la brame. Shoot-le. Ok, on a tiré là. Ah, sur quoi il a tiré? J'espère qu'il a tiré sur ce que je lui ai demandé de tirer. Waouh! On a endommagé son châssis. Attention quoi. Là on s'est fait péter les fesses. Il faut rentrer. T'as rien pour tirer là-dessus? Alors attends, non. Mets-toi dans le bon angle déjà. Ok, excellent, un de moins. On répare. Toi. Alors, est-ce qu'on pourrait l'annihiler de ce côté-là de la map? Bon, de toute façon, vu tout ce qu'il y a, non, il va falloir qu'on contourne quoi qu'il arrive, quoi. Et qu'on avance et qu'on fasse le tour. Avec toujours ces trucs-là derrière nous qui peuvent nous shooter. Et d'ailleurs, c'est le cas. Bon. On va devoir... Après, il n'y a pas grand chose qui sort pour le moment. Hein. On n'a pas... Genre, sur ces trucs-là, on n'a rien vu sortir depuis un moment.
Donc je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Tant pis. Là. Par contre, si je pouvais passer assez loin de lui, ça m'arrangerait. Go. Vous, pointez-vous. Vous allez servir d'éclaireur. Ici déjà, dans ce petit bâtiment-là. Là, il y a encore des saloperies explosives et on n'est pas bien placé dans ce bâtiment de merde. Putain. Shootez-moi ces conneries, là. Ok, on prend cher. On shoot la tourelle. Lui, il peut plus bouger. Là, encore une tourelle derrière, probablement. Là, on répare. Très bien. Si tu me sortais du ravitaillement, ça m'aiderait, très honnêtement. Non. Bon, tant pis. Pas de ravitaillement, du coup. Pas de ravitaillement. Pas de ravitaillement. Là. Qui c'est qu'il y a dedans? Les anti-tanks, oui. Alors, certes, mais... Ouais, c'est ça, ils se replient. Très bonne idée, les gars. Laissez les mecs faire leur travail. On se place par là. Autant dire que ça va péter fort. Ah merde, on a perdu le canon, là. On est à portée de la tourelle, faut dire. Ok, ça c'est fait. Toi, tu peux plus tirer. Recharge. Toi, enfin, répare. Toi, allume-moi ça. Là, il y a une autre tourelle derrière. Il nous reste un taux. On va essayer de se la faire. Ok, c'est fait. Là, on l'allume. Merci. Putain, par contre, rien que le fait qu'il commence à tirer, il nous a fait mal, quoi. Ça pique, hein. Ça pique très fort. Bon, cette partie-là de la map, c'est fait. Là, on est obligé de rester parce qu'il y a un truc. Ici, on est obligé de rester. Là, on a beaucoup de monde. Là. On a un petit copain de disponible. On va s'en servir pour aller renforcer la force de nettoyage. On va appeler ça comme ça. Toi, c'est pareil. T'es en état. Alors, toi, t'as du carburant suffisamment. Les Abrams sont efficaces pour shooter ces trucs-là. Les trucs anti-aériens, là. Ok, ça y est, il commence à avancer, lui. Visiblement, il se répare pas. Ce qui est plutôt cool. Mais d'un autre côté, il est pas hyper endommagé non plus, quoi. Toi, tu vas pouvoir utiliser tes taux, je pense, dans pas longtemps. Donc, prépare-toi. Ici, on va fallback. Pareil pour toi, fallback. Même fallback ici, parce que s'il y a un truc qui sort ici, j'ai pas envie de me faire défoncer le flanc. On est un peu trop serré là, mais je vois pas trop comment on peut faire autrement. Vu le truc qui arrive, on met toute notre force. Allez, vous, progressez par là. Toi, vas-y, en avant. Il faut aller shooter ces petits machins. Niveau de carburant fait pour qui? Toi, ok, c'est bon. T'as pas... On te demande pas de te déplacer plus que ça. C'est cool qu'ils partent par là, on va pouvoir faire le tour là et nettoyer un peu tout ça. Là, il y a du gros qui peut sortir. Si on pouvait éventuellement envoyer nos ingés. Après, ils ont plus de mine anti-tank, mais miner un peu la sortie, ça nous fera pas de mal. Ok, là on se donne une vision avec nos rangers. Oh la vache, on a tiré. Par accident, on a touché celle qui était derrière, quoi. Ça, c'est pas la classe. Ok, très bien, c'est fait. Est-ce qu'il fait demi-tour, lui? Il a l'air d'être arrêté. Si on faisait une petite IEM dessus, ça marche, vous pensez? J'y crois pas trop. Non, il fait demi-tour. Merde, pas cool, ça. Du coup, il y en a un tout là-bas. Ok. Le renfort arrive là. On a un petit Bradley pour aider. On va le poser par là. On va essayer de prendre une vision ici. Niveau carburant, ça va. Il y a un Abrams ici qui a été abandonné.
On va pouvoir demander à nos ingés de le prendre quand ils auront posé leur mine. Ah, là il y a du monde. Ça va, c'est vous léger. On n'a pas vu de Rev 6 encore. Je croise les doigts. Par contre, on dirait qu'il veut pas s'avancer. Il va donc falloir qu'on y aille nous-mêmes. Donc on va y aller nous-mêmes, hein, pas de soucis. Hop. Hop. Toi, tu vas là. Du coup, vous allez reprendre ce bâtiment. Ça, c'est pas à nous. Non, c'est pas à nous, ça. Toi, tu vas te mettre par là. Il bouge par là-bas, l'autre. Hein. Attention, il va essayer de faire demi-tour et de nous coincer. Oh, les enfoirés qui sont... l'enfoiré qui est sorti juste devant nous, quoi. Bon, ça va. Et c'est fait gérer. Ah, putain. Ok, en arrière. Ça pique. Oh, sa mère, sérieusement? Putain, le truc, on le voit même pas. Il nous défonce, quoi. Ah ouais, du coup, on a pris cher. Ouais, ouais, t'es gentil, mec, Fondamentum Fidelis, mais... Ok, on répare. Bon, il faut qu'on avance. Il va falloir qu'on aille chercher le truc qui est là-bas. On va avancer avec l'Abrahams. Ici on a quoi? Un autre Abrahams. Qui est pas hyper plein en munitions, mais on y va quand même. Là on a des petits snipers qui couvrent la zone. Ici, pareil, on a des trucs qu'on récupérait. Vous rentrez là-dedans. Toi, tu vas te foncer ici. Toi, dès que t'es plein, on y va. Il est en train de raser toute la zone là, donc il va falloir qu'on avance là. Clairement, pas le choix. Eux, ils sont trop faibles pour s'occuper de ça. On va avancer notre artillerie également. Parce que n'importe quoi qui pourra lui faire mal, ça sera cadeau. Avancez jusqu'ici. Vous, là. Vous, là. Vous deux, là. Je sais que c'est tendu du string, mais il faut y aller. Toi, là. Où sont nos Abrahams? Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi. Bah, tu vas aussi. Vous d'ailleurs aussi. Clairement. Vous allez avancer jusqu'ici direct, agressivement, on s'en fout. Les frags, ça servira à rien. Par contre, on va envoyer du monde là. Là. Les gars. Faut se bouger le cul. Bah oui, forcément. Rentrer là-dedans. Toi, avance un peu. Ouais, parce qu'il tire du taux inutile, là. Garde ton taux pour les gros trucs qu'on a besoin. Ok, allume ça. Ah, putain. Oh, la vache, l'anti-tank de côté, là. Ça fait tellement mal. Là, ils ont sorti une plateforme d'appui de feu, je vois, c'est la merde. On les allume, ici. On répare. Et il va falloir qu'on avance. Ok, il avance aussi, c'est parfait. Bon. Là, on va plus pouvoir avancer à couvert, malheureusement. Ici, on est plein. Venez par là. Toi, arrête de tirer à travers les bâtiments comme un con et pointe-toi. On va attendre que eux fassent un petit peu d'éclairage, on va dire. Là, on répare. Toi, essaie d'allumer ça. Ah, putain. Oh la vache, merde, on s'est fait défoncer en sortant juste au mauvais moment, quoi. Ah la loose. Ah non, mer 1, quoi. Oh, ça fait mal au cul.
Ils sont tous morts, quoi. Ils sont tous morts. Bon, c'est pas grave, je vais voir si j'ai une petite sauvegarde pour les sauver, parce que j'ai pas envie de perdre encore un truc de quête. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. On va voir comment on peut gérer la grosse saloperie au prochain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.